Coucou les mamzards, on vous retrouve dans des tenues un peu inhabituelles. C'est ça, puis dans un endroit inhabituel aussi. Voilà, c'est ça. Donc pour une vidéo qui va durer une semaine. Alors la vidéo va pas durer une semaine. Non, mais vous allez nous suivre et voilà. Être avec nous pendant une semaine. Et je vais devoir relever des défis. Je te laisse expliquer parce que c'est toi qui as déterminé un petit peu la c'est chose. C'est ça, Julie, elle a jamais skié. Donc le but, c'est de voir si elle va réussir à apprendre à skier en une semaine. Donc tu vas devoir apprendre à descendre une piste verte sans tomber, bien sûr. Tu vas devoir... Les vertes, c'est les plus faciles. C'est ça, c'est les plus faciles. Okay. Tu vas devoir apprendre à faire du tir fesses sans tomber. Ah, oh, ça c'est le truc que j'apprends le plus. Tu vas devoir apprendre à faire une piste bleue simple, okay, sans tomber encore. Une piste bleue un peu plus compliquée. Et tu vas devoir, en test ultime, apprendre à faire une piste de slalom. D'accord. Toi, voilà. Tu y crois vraiment en moi, quoi. Bah ouais, on verra bien. On verra bien si tu y arrives ou pas. Non, t'aurais dû dire, mais oui, je sais que tu vas y arriver, tout ça. Là tout de suite, ça me met moins la confiance. Allez, on verra bien ce que ça donne. Pour t'aider quand même dans le lot, t'auras 2 heures de cours avec un moniteur à un moment donné quand même. Parce que sinon, ça va être trop dur, on est d'accord. Parce que moi, je suis pas un skieur professionnel non plus. Ok, bon bah c'est parti alors. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette semaine de folie. Go. Alors je viens de me lever et Stéphane et Enzo sont partis chercher les croissants. C'est trop beau ce matin, franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui au programme, on va aller ce matin faire des luges et cet après-midi je prends mon premier cours de ski et je pense que pendant ce temps-là, les gars iront skier tous les trois. Et pour une course avec les deux nains et Julie, on va voir qui gagne. Moi je miserai sur Enzo, quoique. Ah bah non, j'ai peut-être pas bien fait de miser sur Enzo, il est déjà à l'envers. Raphaël est en tête, Julie s'était déjà arrêtée. Raphaël va gagner. Raphaël a gagné, oui, le winner est Raphaël. Elle va rentrer dans son fils. Non, non, mais c'est bon, t'as gagné Raphaël. Ne râle pas. Voilà comment ça marche avec les enfants. Bon bah Enzo fait la vaisselle, mais je crois que du coup il est parti s'enterrer dans la neige pour oublier sa défaite. Il ne fera pas la vaisselle. Regardez comme il se la tête. Il ne fera pas la vaisselle. Wesh. Le perdant qui fera la vaisselle. Je suis actuellement en train de me préparer pour aller au ski. Oui, ma combi est magnifique. C'est un truc de récup que j'ai trouvé. C'est trop la classe. Donc je disais, je reprends. Je vais aller à mes premiers cours de ski, mes premiers cours. J'espère que ça va bien se passer. J'avoue que j'ai un peu les chocottes, mais bon. Notre bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint les 100 000 abonnés. Ça y est, on est trop contents. C'est vraiment une étape pour la chaîne, donc ça fait trop plaisir. Donc là, vraiment, bonne journée. Les 100 000 abos, le soleil, le ski. Quoi rêver de mieux? On ne sait pas. Fren, voilà. C'est bien. Et non, mais pourquoi tu vas tout droit? Pourquoi t'as pas tourné? T'es nul. Nous revoilà donc sur le balcon. La neige fond, mais apparemment ça va retomber demain. Donc ça y est, j'ai fait mon premier cours de ski. On n'a pas trop filmé, mais je me suis pas trop mal débrouillée finalement, moi qui avais peur. Donc je pense qu'on va pouvoir faire des belles balades par la suite. On est prêt donc pour aller skier. Maintenant que j'ai pris mes cours, on va dire que je me débrouille à peu près. C'est pas la... Ah, c'est déjà mieux que rien, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, il neige. Pour l'instant, on a encore un peu de soleil, mais j'ai l'impression que ça va pas mal se couvrir. Mais bon, on va tester tout ça. Donc c'est parti, on y va. Go. Devant, nous avons une skieuse professionnelle, le numéro 57, habillée de rose et de damier multicolore. Elle est prête pour les Jeux Olympiques. Hihihihi.
Ah, tu vas te péter la gueule à faire la maline. Ça sert à rien là. Non mais ça sert à rien que tu filmes, en fait c'est ça que je voulais dire. Ah ouais, bah, c'était pour filmer ton impression à l'arrivée. Ah, c'était bien. Je voulais me retourner pour voir la descente que j'avais fait. Là-bas, elle est belle, elle est sympa. C'est la tempête de neige. On est sur les tire-fesses. Mais on voit plus grand chose en vrai. Allez, on va se faire la petite descente qui est là, une dernière avant de récupérer les gars de leur cours. Voir comment ça s'est passé. Allez, dernière descente dans la tempête. Dans la tempête, j'exagère un peu, mais on voit pas grand chose quand même. Julie fait de la luge. Elle va très très vite. Comme vous pouvez le voir, je marche à côté d'elle. Non mais attends, là, c'est tranquille, regarde. Ah, là, elle va peut-être partir d'un coup. Ah, part d'un coup. Ça y est, elle prend de la vitesse, mais là, elle a peur maintenant. Ah, elle est partie finalement. Moi, j'adore la tenue de Julie avant le ski. Elle est pas mal, hein. On a déposé les gars au cours de ski, nous on va pouvoir aller skier deux petites heures, voilà. Tous les deux. Donc on s'est bien couvert parce que là... C'est la tempête. C'est la tempête de la neige. Bon, ma mission du jour, perdre Julie dans la neige. Ça devrait pas être trop dur, mais bon, elle a mis des vêtements fluo. Ça doit faire un peu peur. Ah oui, c'est vrai que t'es un peu Dark Vador. En fer fluo. On est en fer fluo. Oh, trop drôle, j'ai deux mots. Bon allez, c'est reparti pour une balade tous les quatre ce coup-là. Bon, il neige toujours, mais ça devrait le faire. Oui, on reconnaît pas Julie. Elle est un peu comme Enzo, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils vont aller faire un casse, un truc comme ça, il faut pas qu'on les voit. Bon, ce matin il fait super beau, c'est trop agréable. Du coup il est tôt, on va aller skier déjà avant le cours des gars même. On va essayer de profiter un maximum de cette journée qui s'annonce bien ensoleillée. Il fait toujours aussi beau, c'est trop la classe. Allez, tout droit, direction la forêt des elfes. Allez, vas-y, je te suis. Direction la forêt des elfes. Ça tourne ? Ça tourne. Allez, go. Faut que tu baisses la tête. C'est trop rigolo. Enzo il coupe carrément lui. Ah bah il a fini par terre à couper. Stéphane m'a dit que j'allais tomber, mais je ne suis même pas tombée.
je me la pète un peu, parce qu'en fait je suis tout le temps la dernière, donc j'essaie de me remonter le moral moi-même. Et voilà, je suis bien emmitouflée pour la dernière petite descente. Oui, c'est la fin de cette vidéo du coup. Alors est-ce que tu t'en es sorti? Est-ce qu'on peut dire que tu t'en es sorti ou quoi? Je pense que c'est pas mal, hein. Moi je pense que c'est validé, ouais, quand même. Ouais, hein. T'es plutôt bien débrouillé, faut l'avouer. Je suis pas une professionnelle dans l'âme, mais ça va quoi. Ça mais fait... ça va, ouais. T'arrives à bien te débrouiller, on a pu bien se promener et tout, c'était méga cool. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce type de vidéo, un peu vlog, vous a plu. Excuse-moi, je te tape avec une vidéo. Non, mais elle aime bien me taper, vous savez. À liker, à partager et à vous abonner. Allez, des gros bisous, à bientôt. Vous pouvez aussi voter pour celui qui a le plus beau style. Allez, bye bye, à la prochaine. Bye.